Bonjour à tous. Donc là, on va refaire un carré avec des faisceaux de brides. Donc on va commencer tout de suite par 5 mailles en l'air. 2, 5 pour faire le premier rond de base. Dans la première maille en l'air, vous faites une maille coulée et on attaque tout de suite par 2 mailles en l'air, une bride dans le rond. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air et on va faire un faisceau de 2 brides. Vous commencez une bride dans le cercle, enfin dans le rond du début. Hop, on ne la finit pas. On refait un deuxième début de bride. On ne la finit pas. Et lorsque vous avez 3 mailles sur votre crochet, vous passez à travers les 3 mailles, vous refaites 2 mailles en l'air. Donc il faut en avoir 8 en tout, hein. Donc, on commence une bride, on recommence une deuxième bride, on fait le premier jeté, on passe à travers 2 boucles. Lorsque vous en avez 3 sur votre crochet, vous passez à travers les 3. On avait déjà fait un carré du même genre, donc 2 mailles en l'air. Un faisceau de 2 brides, on commence une bride, on ne la finit pas, on commence une seconde bride, on passe à travers les 2 boucles, on ne la finit pas, et après à travers les 3. Et il faut en avoir en tout 8, donc je vous laisse finir. Voilà, donc là on va finir par, j'ai fait 2 mailles en l'air donc, pour finir, on va faire une maille coulée à la base de la première bride. On va faire une maille coulée pour arriver entre les deux. On va faire 2 mailles en l'air. On refait une bride. Voilà, vous refaites 2 mailles en l'air et un faisceau de 2 brides. Donc en gros, c'est 2 brides commencées au même endroit et finies ensemble. Entre les groupes, pas de maille en l'air, rien. Vous refaites un premier faisceau. 2. On finit. Et là, vous refaites 2 mailles en l'air. Et dans le même arceau que vous aviez fait tout à l'heure, vous refaites un faisceau de 2 brides. 2 faisceaux à chaque fois dans les mêmes, entre les espaces, entre les faisceaux d'avant. Un faisceau de 2 brides, 2 mailles en l'air, un faisceau de 2 brides, pas de maille en l'air entre. Donc on continue avec 2 faisceaux espacés avec entre 2, 2 mailles en l'air. Et à nouveau, voilà, le faisceau. C'est-à-dire on commence 2 brides et on les finit ensemble. Voilà. Donc toujours pareil. Vous commencez votre première bride, vous en faites une deuxième que vous commencez aussi. Quand vous avez 3, hop là, vous finissez ensemble. 2 mailles en l'air entre les deux et vous refaites la même chose. On commence une bride, on en commence une deuxième. Et on les finit ensemble. Voilà, donc je vous laisse finir le tour. Je répète, entre les espaces, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien. C'est directement les faisceaux à chaque fois qu'on recommence. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du tour. Donc voilà, là on a fini, je crois que j'ai fini ce rang. Je fais une maille coulée, donc directement en haut du premier faisceau. Vous refaites une maille coulée pour arriver ici et maintenant on va commencer à former le carré. Donc vous faites 3 mailles en l'air, une double bride dans le même arceau, une double bride dans le même arceau,
Ensuite, une maille en l'air, un faisceau de deux brides, une maille en l'air dans chacun des trois arceaux suivants. Donc, un faisceau de deux brides. Ah, attendez. Un faisceau de deux brides dans chacun des trois arceaux suivants. Donc, les arceaux suivants, c'est une, deux et trois, logiquement. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier sur le papier. Je reviens. Allez, on reprend. Je recommence. Donc, on a fait une maille en l'air. Entre, on va refaire un faisceau de deux brides commencées ensemble et finies ensemble. Une maille en l'air. On refait dans le suivant un faisceau. Ils ont dit dans les trois suivants, donc une maille en l'air. Et dans le troisième, à chaque fois entre les faisceaux. Hein. Et deux. Voilà. Et une maille en l'air. On a fait à chaque fois entre les faisceaux, on refait un faisceau. Voilà. Donc pour le suivant, un faisceau de double bride, deux mailles en l'air, un faisceau de double bride dans le même arceau. Donc dans le suivant, toc toc, on commence une double bride. On fait une fois, deux fois, on recommence une double bride. Une fois, deux fois, on la finit. Ensuite, je me trompe pas, deux mailles en l'air, une, deux mailles en l'air, et on refait un faisceau de double bride, mais cette fois-ci dans le même. Donc, une, on ne finit pas, on recommence au même endroit, on ne finit pas. Et voilà. Ensuite, on finit par une maille en l'air. Ensuite, il faut répéter. Donc, deux faisceaux de bride et une maille en l'air dans chacun des arceaux. Allez, on est reparti dans les trois arceaux suivants. On recommence. Un faisceau, une maille en l'air. On va dans le suivant. Un faisceau, une maille en l'air, dans le troisième, donc à chaque fois entre, un faisceau, une maille en l'air, là on a un coin, et là on refait un coin, c'est-à-dire un faisceau de double bride. On recommence. On recommence. Donc, on commence une double bride. On fait un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deuxième. On recommence une double bride. On récupère le fil. Une fois à travers deux boucles. Une fois à travers les deux autres. Et là, on fait à travers les trois boucles. Deux mailles en l'air. Et on recommence dans le même espace. Un faisceau de deux doubles brides. Je ne vais pas vous expliquer jusqu'à la fin parce que je pense que c'était bon. Donc on a nos deux premiers coins. On avait commencé celui-ci. Je vous laisse finir le troisième, c'est-à-dire dans les trois prochains espaces, vous faites un faisceau de deux brides séparé par une maille en l'air. Vous refaites un coin dans celui-ci. Vous refaites dans les trois suivants un faisceau de deux brides espacé par une maille en l'air. À tout à l'heure. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce tour. Je refais un faisceau de deux doubles brides. Une et une seconde. Deux mailles en l'air, je crois, et on refinit.
à la base de la première double bride. Alors je vais aller vérifier. Voilà, donc ça nous fait un carré. Autant pour moi, j'ai fait une erreur, donc je retire ma maille coulée, j'enlève une maille. En fait, il faut faire une maille en l'air et une demi-bride ici. Donc vous faites une demi-bride au lieu d'une maille coulée. Ah ben voilà. Allez, je recommence. Une demi-bride à la base du faisceau. Voilà. Donc là, on recommencera dans le coin. Voilà, j'ai mon carré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer le carré. Je vous explique la suite. Il nous reste encore deux tours à faire. Alors, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Vous devez refaire deux brides au même endroit. Une, deux brides. Ensuite, on va faire deux brides entre chacun des faisceaux à chaque fois. On fait une bride, une deuxième bride. Il n'y a pas de maille en l'air entre. Juste tout simplement des brides entre chacun des faisceaux. Ça, c'est pour bien séparer les faisceaux, qu'on les voit bien en fait une fois le carré fini. C'est vrai qu'on les voit bien après. Sont jolis. Voilà, donc là, à chaque fois, deux brides dans chaque espace. On arrive dans le coin. Donc dans le coin, c'est trois brides. Une, deux, trois brides. Deux mailles en l'air et à nouveau trois brides. Une, deux et trois brides. Voilà. Donc là, on va reprendre à chaque fois deux brides entre les faisceaux. Là où on avait mis une maille en l'air à chaque fois, vous faites deux brides tout le tour. Je remonte une dernière fois. Ce côté. Et encore une dernière. Je vous remonte une dernière fois le coin. Trois brides, deux mailles en l'air et trois brides. Une, deux, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides à nouveau. Et maintenant, voilà, on continue toujours pareil. Entre les faisceaux, vous faites deux brides. Entre chaque faisceau et dans les coins, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides. Allez, je vous laisse finir ce tour tout seul. Et on se retrouve à la fin. Me voici donc à la fin de mon rang. On refait à nouveau trois brides. Une, deux, trois brides. Cette fois-ci, on va faire une maille en l'air. Et au niveau des trois mailles en l'air ici, dans la troisième, vous allez faire une maille serrée. Ça n'a pas voulu. Je répète. Non, pas besoin. Dans la troisième maille en l'air, vous faites une maille serrée. Ça nous permet de recommencer. J'aime bien. J'aime bien. Donc, on va faire le dernier tour. Donc, le dernier tour, c'est des tours en demi-bride. Alors, on va faire deux mailles en l'air. On refait dans l'angle une demi-bride. Une demi-bride
Là où on a fait la maille, dans la maille où on a fait la maille serrée avant, donc dans les trois mailles en l'air du rang précédent, faut pas les oublier. Et normalement, si c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est exactement ça. Une demi-bride dans les 13 brides du rang précédent. Donc, me voici arrivée à l'angle. J'ai changé de méthode. J'ai fait mes 13 demi-brides dans l'angle. Vous allez faire deux demi-brides. Une, deux, deux mailles en l'air et à nouveau deux demi-brides. Et deux. Et ensuite, vous allez refaire. Donc là, il y en a 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14. Donc, dans les 14 brides du rang précédent, vous allez faire 14 demi-brides. N'oubliez pas la première qui est cachée par l'angle. Ne jamais oublier la première. Et on refait un coin. Et après, on finit. Donc, moi, j'ai refait mes 14 demi-brides ici. On va refaire à nouveau deux demi-brides dans l'angle de maille en l'air. Une demi, deux demi, deux mailles en l'air et deux demi. Et après, je vais vous laisser finir et on se retrouve à la fin pour la fin du carré. Me voici arrivée à la fin de mon carré. Donc là, on va refaire deux demi-brides dans l'angle, deux mailles en l'air et une maille coulée. Une, deux mailles en l'air et une maille coulée dans les premières deux mailles en l'air du début du tour. Et nous voilà arrivés à la fin de notre carré. Voilà, donc je suis contente, j'ai réussi à faire trois vidéos aujourd'hui. Bonne soirée!